Des frappes occidentales en Syrie, dans la nuit de vendredi à samedi, ont visé le principal centre de recherche et de deux centres de production du programme clandestin chimique du régime syrien, selon la ministre des Armées, Florence Parly. La défense aérienne syrienne riposte contre des frappes aériennes coordonnées menées par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, dans la nuit du 13 au 14 avril 2018. Reuters Télévision, mis à jour le 14 avril 2018, 16.2.21 publié le 14 avril 2018, 082.15. Ce qu'il faut savoir, une bonne partie de l'arsenal chimique du régime de Damas a été détruite par les frappes occidentales en Syrie, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril, assuré le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le but de cette opération, c'était de détruire les outils chimiques clandestins du régime de Bachar el-Assad et, à cet égard, l'objectif a été atteint, a-t-il déclaré dans une interview à BFM TV. Sur Twitter, le président américain, Donald Trump, a salué le « résultat de ces frappes, qui n'aurait pu être meilleur ». « Mission accomplie », a-t-il lancé sur le réseau social. Une opération coordonnée des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. C'est Donald Trump qui l'a annoncé, dans la nuit, dans une courte allocution. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont mené des frappes ciblées dans la nuit de vendredi à samedi. Elles ont visé le principal centre de recherche et de deux centres de production du programme clandestin chimique du régime syrien, a précisé dans la matinée la ministre française des Armées, Florence Parly. Des frappes contre les armes chimiques. Cette action militaire coordonnée a été menée en réaction à l'attaque chimique présumée du 7 avril à Douma, dans la Ghouta orientale, dernier bastion rebelle aux portes de la capitale, qui a fait plus de 40 morts, selon des secouristes. Interrogé par BFM TV samedi, Jean-Yves Le Drian a annoncé que si la ligne rouge était refranchie, une nouvelle intervention pourrait être menée. La Russie convoque une réunion d'urgence à l'ONU. La Russie convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour évoquer les actions agressives des États-Unis et de leurs alliés, a indiqué le Kremlin dans un communiqué. Samedi 14 avril, après les frappes occidentales, Moscou dénonce avec la plus grande fermeté l'attaque sur la Syrie, où des militaires russes aide le gouvernement légitime à lutter contre le terrorisme. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira à 17h, heure de Paris. En réponse à cette demande, 16h21, la Russie va proposer lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU une résolution qui condamne l'agression envers la Syrie par les États-Unis et leurs alliés, en violation de la Charte des Nations Unies. 16h22, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, affirme que l'offensive occidentale en Syrie est inacceptable et sans fondement juridique. 16h03, selon le général Kenneth McKenzie, un haut responsable du Pentagone, les frappes occidentales contre le régime syrien ont porté un tel coup au programme chimique syrien qu'il mettra des années à s'en remettre. 15h33, en juin 2017, complément d'enquête, de France 2, a diffusé un document sur Bachar al-Assad. Ce sujet de 52 minutes revient sur 20 ans de relations sulfureuses entre Paris et le président syrien. France 2 15h29, depuis ce matin, Damas répond aux frappes occidentales avec des images. Elles montrent Bachar al-Assad qui arrive tranquillement à la présidence syrienne ou ses partisans qui manifestent pour le saluer. France 2 15h17, nous avons frappé avec succès toutes nos cibles, affirme le Pentagone. 14h58, laisser Assad impuni après l'usage d'armes chimiques contre des civils est impossible. Mais il faut un mandat de l'ONU. Que ceux qui s'offusquent du bombardement d'une usine sortent aussi du silence quand Poutine et Assad anéantissent les civils de la Ghouta et d'Alep. 14h58, Benoît Hamon, ancien candidat du PS à la présidentielle, approuve l'idée de frapper les forces de Bachar el-Assad, mais il faut un mandat de l'ONU, souligne TIL. 14h46. Voici un récit en images de cette nuit marquée par des frappes des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. France Info. 14h26. A perfectly executed strike last night, thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine military. Could no have had a better result. Mission accomplished. 14h26, mission accomplie. Se félicite Donald Trump sur Twitter, remerciant la France et le Royaume-Uni. 14h43, je me souviens de la guerre en Irak, on a eu la même chose. Éric Coquerel, député de la France insoumise, condamne les frappes occidentales en Syrie. L'élu de Seine-Saint-Denis récuse les preuves fournies par le ministère des Affaires étrangères.
Max Pepe 14h14, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira, en urgence, à la demande de la Russie, à 17h, heure de Paris. 14h11, des frappes ne suffisent pas, ce qu'il faut c'est avoir un droit de suite, une pression diplomatique et politique pour qu'une issue soit trouvée au conflit syrien. Si j'ai regretté l'inaction de Barack Obama en 2013, je ne peux pas non plus me satisfaire de l'improvisation qui pourrait être celle de « Donald Trump », déclare l'ancien chef de l'État à la montagne. 13h19. Cette intervention.